cette attaque n'a pas pu se développer. Inigo Martinez. C'est bien défendu, il faut dire. La longue passe. Attention, ça peut aller très vite. Le bon dribble. Quel dribbleur ! Le Tellier. Ah, il a essayé, bien joué. Jean Cancelo. Et maintenant Marcos Alonso. Il décide d'allonger le jeu. Oh, il n'y aura personne à la réception de cette longue passe. Hernandez. Marquinhos. Ce ballon bien dosé. Un ballon intéressant. Bonne intervention, il y avait danger. Kimpembe. Il préfère repasser derrière. Sergio Roberto. Il joue sur sa gauche. Il est passé. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Con suerte veremos a... Le Tellier. Skriniar. Sergio Rico. Skriniar. Hernandez. Le coup franc pour le Paris Saint-Germain. Sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Kimpembe. Le Paris Saint-Germain qui tient bien le ballon en ce début de match. Sergio Rico. Le FC Barcelone qui fait tourner le ballon dans ce match, comme d'habitude. C'est vrai que le jeu en triangle fait souvent des ravages. Ça oblige l'adversaire à courir après le ballon, ce qui peut vite devenir démoralisant. Pas faux, Darren. Et d'ailleurs, certaines grandes, très grandes équipes même, le pratiquent à merveille. Navas. La passe en retrait vers son défenseur. Christensen. Cancelo. Avec Marcos Alonso. Il veut montrer
montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Inigo Martinez. Ça ne passe pas. Ce ballon déjà récupéré. Sergio Rico. Skriniar. Les deux équipes sont très sérieuses dans le placement. Personne n'a réellement pu se mettre en position de tir jusqu'ici. C'est dommage. Ça n'a pas pu aller plus loin. S'il le trouve... En retrait. Pas tellement de solutions. Skriniar. Qui écarte le jeu. Le Tellier. Hernandez. Jean Cancelo. Qui récupère ce ballon. Peña. En retrait pour repartir proprement. Avec Marcos Alonso. Un long ballon vers l'avant. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Hernandez. C'est joué long, c'est dangereux. Oh, il résiste bien, il continue son one-man show. Il peut y aller, ça peut être dangereux. Inigo Martinez. Koundé. Jean Cancelo. Sur l'aile. Ça peut être dangereux. Ah, ça n'ira pas au bout. Skriniar. Et ils essaient de repartir de derrière. Sergio Rico. C'est joué long. Ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Difficile de faire mieux, franchement. Il y avait tellement de monde dans la surface. La passe en retrait vers son défenseur. Koundé. Iñaki Peña. Oh, s'il réussit son contrôle. Marquinhos. Skriniar. Ça cherche la profondeur. C'est trop long, pas assez précis. Christensen. Araujo. Avec Marcos Alonso. Long ballon dans le sens du jeu. Ça, c'est une interception parfaite. Sergio Rico. Arnaud Tenas, ça joue long. Christensen. Et maintenant Marcos Alonso. Inigo Martinez. Il rejoue derrière. Oh, il s'est bien battu, ballon récupéré. Il a essayé d'y aller seul mais sans réussite.
Il y a peut-être un coup à jouer sur la gauche. Le coup franc pour le Paris Saint-Germain. Ah non, ce sera un coup franc à la limite de la surface. Le voilà averti, il n'y a pas grand-chose à redire. Il a intérêt à vite se calmer s'il ne va aggraver son cas là. Navas. On est à la demi-heure de jeu, ou quasiment. Navas. Skriniar. Et maintenant Marquinhos. La bonne transversale. Ah, j'aime bien, ça va lui donner un peu d'air. Il s'échappe le long de la ligne. C'est joué long, attention. C'est dégagé loin. Le coup franc pour le Paris Saint-Germain. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Réussi à lever le ballon comme il voulait. Le coup franc pour le Paris Saint-Germain. Il s'en sort bien sur ce coup-là, mais la prochaine fois, l'arbitre sortira le carton. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de faute. Hernandez. Il relance, côté droit. Quelle technique! Marquinhos, qui est récompensé de son pressing. Hernandez. Bien récupéré sur ce duel. En retrait pour repartir proprement. Koundé. C'est joué long. Jean Cancelo. Arnaud Tenas. Marquinhos. Kimpembe. Dommage, il était pourtant en position idéale. Inigo Martinez dans la profondeur. Jean Cancelo est bien placé. Skriniar. Nuno Mendes. Le Tellier.
Il tente de la jouer dans l'espace. Ça sent la frappe. Et il prend sa chance. Sans se poser de questions. Dans la profondeur, ça n'ira pas plus loin. Skriniar. Il est bien placé. Joli geste. Centre devant le but. Koundé. C'est joué dans l'espace. Jean Cancelo. Il est passé. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Il cherche la profondeur. Kimpembe. Ça joue long. Christensen. C'est joué long. Il y aura donc touche. Sergio Rico. Kimpembe. Sergio Rico. Skriniar. Sergio Rico. Skriniar. Cette passe en profondeur pour Kurzawa. Ce sera un coup franc, bien sûr. Tenas, Skriniar, Kimpembe, la passe en retrait vers son défenseur, Skriniar, et voici Marquinhos, le Tellier, le bon dribble, il se fait prendre, il est passé à toute vitesse vers la surface, on joue sur l'aile, il est servi, il centre là-bas au second poteau. Alonso. Gros duel, le ballon est perdu. Le coup franc pour le FC Barcelone. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Ça joue dans l'axe. Il y a peut-être un coup à jouer. Une occasion. Attends.